Celui que ses contemporains considèrent comme un héros de l'aviation rentre en Europe après 2 ans passés aux États-Unis. Ce 17 avril, Saint-Exupéry confie à Sylvia un bien précieux, le manuscrit du Petit Prince. Un conte pour enfants qu'il vient d'écrire et d'illustrer. Le récit d'une quête qui deviendra un succès planétaire. Nourrissant ses écrits de son existence passée en vol, Antoine de Saint-Exupéry a mis dans son Petit Prince tous ses espoirs et ses blessures, l'étendue de sa poésie et de sa tendresse. C'est un homme usé par une vie chaotique qui quitte l'Amérique pour aller combattre l'Allemagne nazie. De lui, nous ne disposons que de rares images. Celles-ci, filmées en 1942, sont sans doute les dernières de l'écrivain aviateur. Malgré sa renommée mondiale, acquise tant pour ses exploits aériens que pour ses prix littéraires, Saint-Exupéry a été très peu filmé. Il n'aimait pas apparaître devant les caméras, ni répondre à des questions. Humble et terriblement épris de liberté, il se méfiait de la gloire. À la vie mondaine, il préférait les longues heures passées dans le ciel durant lesquelles il aimait méditer sur l'état du monde et sur l'homme, et être confronté à lui-même. Mais que cherchait-il, lui, l'aristocrate et l'artiste, au milieu des éléments déchaînés?